J'imagine un peu petit qui est à vie avant. Non? Ok, ok. Bonjour, bonjour à vous tous et à vous tous, membres de la presse ici présents. Et merci d'être venus. Et je dis à nous connaître qui situation qui arrive au pays. Donc, un tremblement de terre qui est situé dans la zone sud là déjà. Donc, nous avons des techniciens qui sont là. Et déjà, nous allons faire place parce que le Premier ministre là et M. Ariel Henry pour le parler, pour l'intervenir, pour lui dire justement et qui ensemble de musique prend. Et puis, en premier état des lieux de situation. Hein. D'abord, nous avons l'ingénieur Claude Prepty qui va pour le parler pour l'aspect technique question. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, matin, nous ressentions une secousse sismique qui était différente de l'autre et que nous pas attendre du tout parce que depuis quelques années, nous avons fait surveillance sismique et nous avons chaque département qui quantité de secousse qui a chaque mois. Et nous voyons que le département de la Grand'Anse, le département du Sud, c'est eux-mêmes qui étaient moins à risque parmi les 10 départements géographiques. Donc pour moi, c'est une surprise que lié. C'est ça pour qui montre nous que l'affaire de tremblement de terre sont qui totalement imprévisible. Pas grand rien qui est capable de dire que matin, on est capable de sentir une secousse comme ça, et c'est dans une zone ça que le fait. Immédiatement après, il y a plusieurs réseaux qui baillent des magnitudes différentes. Le premier réseau a été 6.9. Après ça, il y a 7, après il y a 7.2. Il y a un pile de monde qui a tendance à dire que bon, le monde ne sait pas comment ça a fait. Parce qu'il y a plusieurs magnitudes. Qui est-ce qui est vrai là-dedans? Eh bien, toute magnitude, ça est vrai. Parce que le tremblement de terre fait que fait, dans les premières heures, il y a une première observation qui est faite et il y a une information. Ça va dépendre de qui côté que le réseau est situé par rapport à l'épicentre tremblement de terre. Là. Donc, ça fait que le bas est tremblement de terre. Ensuite, il y a différentes façons pour calculer la magnitude. Là. Il y a plusieurs types de magnitudes. Et chaque magnitude baille une valeur différente. Donc, c'est normal pour nous avoir plusieurs valeurs. Donc, le réseau local, là, là pour lui-même faire synthèse là, pour dire exactement quelle magnitude que nous avons et quelle intensité tremblement de terre ça a. Et surtout, localisation épicente tremblement de terre là, pour être capable de connaître qui ville qui est beaucoup plus proche de l'épicentre là, parce que plus ville là proche de l'épicentre là, c'est plus la frapper. Et au fur et à mesure qu'on va éloigner de l'épicentre là, il va moins se frapper. D'ailleurs, nous sentons ça à Port-au-Prince. Il y a des gens au Cap Haïtien qui ressentent ce coup là parce qu'ils sont très loin de l'épicentre tremblement de terre là. Il paraît que l'épicentre là est localisé dans le département des NIP. Vous avez toujours connu que les NIP, c'est un département à risque sismique. Donc, au magnitude 7, c'est un gros tremblement de terre qui est comparable à 12 janvier 2010, mais n'a pas fait autant de dégâts. Et le magnitude 7 est capable de provoquer des répliques. Des répliques de magnitude inférieure à 7. Et répliques sérieux capables de provoquer des effondrements de bâtiments. Par exemple, le bâtiment qui fêlait à partir de magnitude 7, ça, il n'est pas tombé, mais plusieurs répliques capables d'achever le bâtiment. Ça. C'est ça qui fait que nous demandons à Mounio de ne pas courir en train de caille parce que nous avons ressenti des répliques pendant plusieurs années et que des répliques que nous n'avons pas même ressenti, c'est la station sismique qui est enregistrée. Donc, tant pis, tant d'évaluation TPTC avant que nous entrions dans la caille si la caille a fissuré pour ne pas être victime de répliques tremblement de terre. Ensuite, le tremblement de terre est capable de faire dans la mer ou bien sur terre. S'il fait sur terre, eh bien, il est capable de provoquer des remous de la mer s'il proche côte là. Donc, il est capable de provoquer ou remonter assez minime de la mer, et c'est ça qui passe en Haïti justement. Mais si faille passe dans la mer et que ce coup sismique là fait sous faille ça, il est capable de provoquer un tsunami dans les secondes qui suivent. Je pense que à l'heure qu'il y a qu'on y a là, si tu as un gros tsunami, il t'a fait déjà. Donc, pas d'alerte de tsunami de Kodomar. Donc, c'est deux bagages que je voulais parler avec nous. De réplique, et que le tremblement de terre est assez fort, de forte magnitude, 7. Donc, réplique, nous pouvons le ressentir pendant plusieurs temps. Donc, tant pis, pas paniquer. Donc, pas courir en train de caille, pas courir dormir en train de caille qui fissurer, parce que réplique est capable d'achever caille et nous sommes capables de victimes. Donc, pour le moment,
n'est pas tellement l'aspect technique là qui intéresse nous, parce que nous connaissons l'aspect technique déjà, nous connaissons la magnitude là, nous connaissons l'épicentre là. C'est solidarité pour nous porter par tout le monde qui est victime. Solidarité d'abord entre nous, Haïtiens, pour que ça qui est arrivé le 12 janvier 2010 n'est pas arrivé nous encore. Parce que nous prenons leçon. Matin, je regarde le tremblement de terre qui a fait, je courir sortir dans la rue. Moi, tout le monde courir sortir dans la rue. Ça veut dire que nous commençons à prendre leçon de ça qui est passé le 12 janvier. Alors que le 12 janvier, c'est exactement le phénomène inverse. Là. Nous sommes dans la rue, nous courons en train de caille pour sauver tête. Nous commençons à prendre leçon. Donc, il faut que nous continuions à prendre leçon. Parce que le tremblement de terre, ce bagage qui est totalement imprévisible, nous vivons dans le pays à risque sismique. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Je viens de vous dire, c'est pareil pour nous parler. C'est meilleure construction pour nous gagner, meilleure construction pour nous faire, meilleur matériau de construction pour nous gagner. Ensuite, éducation population pour qu'ils développent les réflexes qu'il faut, les réflexes appropriés pour qu'ils soient capables de sauver tête. Merci beaucoup. Merci, professeur Claude Prepty. Je remercie tous les médias qui sont là, la télévision nationale qui est en direct, tout, et pour permettre à la population de connaître tout ce qui a passé. Depuis 8h30, après le tremblement de terre, le Premier ministre a fait appel à tout membre du gouvernement qui était déjà là, qui a concerté ensemble pour voir qui met une réponse qui doit bailler. Et là, je dis à nous, les responsables de protection civile là, qui prennent le premier élément de réponse. Merci à vous. Et merci beaucoup. Je vous dis bonjour, bonsoir à tout le monde la presse qui est avec nous là. Et rapidement, ce que nous sommes capables de dire, c'est que depuis que nous recevons l'information, en fait, nous sentons le tremblement de terre là. Le tremblement de terre a fait nous sentir sous presque le sud là, mais nous sentons tout dans plusieurs autres départements. Et depuis lors, nous gagnons toute une mobilisation totale qui fait dans le système national de gestion risque à désastre. Ce qui fait que, au moment où on a parlé là, le centre d'opération d'urgence nationale est activé. Le centre d'opération d'urgence départementale pour 4 départements principaux qui concernaient. Pas tremblement de terre en parlant de Sud, NIP et Grandens, avec Grandens justement, ils ont tout activé et justement recherche et sauvetage déjà en cours. Au moment où on a parlé là, un bilan partiel que nous avons établi, nous avons parlé de, un total de, entre le Sud et le NIP, nous avons un total de 17 morts, nous avons 9 personnes qui mourent au CAI et justement 3 personnes qui mourent dans NIP et nous avons 17 personnes qui mourent dans Grandens. Ce qui fait qu'au total, là, au moment où on a parlé, nous dénombrons malheureusement 29 fatalités jusqu'à présent. Il y a un nombre assez imposant de blessés. Nous pouvons avoir un chiffre spécifique. Mais le travail a fait justement là pour retirer les gens dans une situation difficile que je nous dis, les gens qui en bas des comptes toujours à débarrasser. Les premiers soins qui ont justement dans certains centres de prise en charge hospitalier, que c'est dans NIP, que c'est dans le Sud, que c'est dans Grenance. Mais nous dénombrons tout que grand pile caille qui est endommagé, grand pile structure, un pile caille, un pile bâtiment qui tombait et qui est endommagé. Et pendant que nous avons parlé là, il y a justement un pile recherche qui fait, il y a des recherches, nous faisons parler avec l'équipe sauvetage et secours que nous avons qui au caille, qui a travaillé toujours sous l'hôtel Le Manguier, côté que nous dénombrons plusieurs morts. Il y a justement au niveau de la Grandance dans la zone Jérémy, il fait justement fait sortir trois personnes en l'hôpital et en bas en structure. Malheureusement, il y en a deux qui décédaient le temps que l'arrivée à l'hôpital là, mais deux autres après soin en l'hôpital là, là. Donc, je me dis, recherche et sauvetage à continuer. Et du point de vue, nous avons dit, Habitat, nous attendons pour nous gagner un bilan exhaustif consolidé de différents départements pour nous capables de dire nous exactement combien de cailles qui crasaient, combien de cailles qui fissuraient et combien de cailles qui justement impactaient. Là, pour le moment, nous gagnons coordination qu'a faite au niveau central pour que tout acteur qui travaille dans la protection civile qui est avec nous là vienne porter côte pour yo et dit nous qui ça yo gagner en façon pour nous-mêmes nous organiser comment on a fait pour nous capable porter aide là. Pendant que on a parlé là, gagne justement des missions de support et de secours qu'a organisé pour aller vers les cailles et vers Jérémy, nous gagne des équipes médicales qui pourra le déployer là pendant qu'on a parlé là justement pour que d'ici après-midi yo kagé t'arriver et vini en appui à l'équipe qui travaille. Nous avons une équipe de sauvetage et secours, la Croix-Rouge, avec, combinée avec pompiers volontaires pour haïtiens, qui pourra monter une équipe de sauvetage et secours tout, qui pourra aller diriger vers les cailles et vers Jérémy pour porter support. Là, nous remarquons que je parle de cailles à Jérémy, mais il y a un paquet d'autres communes, que ce soit dans le Sud, que ce soit dans le NIP, et particulièrement dans le Grandance, qui atteignent et qui touchent et justement qui besoin d'aide et qui besoin de support. Donc, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez quand même, dans l'ordre de la discipline et passer par coordination que protection civile a fait en façon pour nous capables capitaliser sous
ressources que nous gagnons, qui déjà pas en pile, mais on façon pour capitaliser sur ressources et pour nous capable utiliser au meilleur et sain qui soit. Donc si nous pas capable venir directement et travailler avec niveau central de la police civile là, nous capable faire que soit dans le département que nous sommes cité là ou bien directement dans la municipalité, donc parler avec mairie et pour nous capable dire mais qui ça nous a fait et m'a réitéré message que ingénieur Prétis a dit là, solidarité à l'ICA fait, on nous fait dans l'ordre, on nous fait dans la discipline, en façon pour nous capable le plus efficace que possible. Je pense que pour le moment, c'est l'information que nous avons pour nous partager dans la protection civile. Nous avons pour nous faire un prochain print presse à peu près vers 4h de l'après-midi, côté que éventuellement nous avons une mise à jour de chiffres qui gagnent et de actions qui sont entreprises et qui déjà en cours, en façon pour nous capables porter aide et secours à Frère Noir chez nous qui est en difficulté dans tout le département studio. Je dis nous merci pour l'attention nous et nous pourrons parler encore à partir de 4h de l'après-midi. Merci. Merci, ingénieur. Et je vous remercie encore Télévision Nationale d'Haïti qui est en direct, qui a permis que toute population entende pour le presse ça. Et le Premier ministre là, il est très, très sensible par rapport à sa crivée. Il a des informations, certaines informations, il a des images qui viennent jeune et tout. Et nous demandons à la population en tout pour pas et partager des images qui étaient passées déjà parce qu'il y a une bonne image qui a passé sous question de tsunami, etc. Donc nous demandons de suivre toute information. Gouvernement qui pour communiquer. Et ceci, protection civile, a continué by toute évolution qui gagne en termes de chiffres, en termes d'informations qui gagne dans l'ensemble de zones. Donc, le Premier ministre, là, Dr. Ariel Henry, qui vient pour le déplacer et pour le faire une visite, et il a profité de parler avec nous avant de faire le déplacement. Excellent. Bonjour. Jodian, Théâtre Tremblay. Il tremble dans le sud, dans la Grand Anse particulièrement, et il fait un pile dégâts. Première information que nous avons, dis-nous que nous avons plusieurs blessés. Nous avons un pile de monde qui mourit et nous avons un pile de cas qui crase. Dans un pile de monde qui mourit, nous avons deux qui mourit qui fait nous mal en pile. Nous apprenons avec beaucoup de peine la mort du sénateur Fortuné, de même que de Théma. Ça a affecté la communauté haïtienne, ça a affecté la communauté politique, et ça a affecté nous tous, les gens dans le sud, comme les gens dans le grand nord. Il y a un pile de monde qui, jusqu'à présent, en bas des combres, en particulier dans l'hôtel Le Manguier, dans l'hôtel Petit Pas, dans Trop Fraîcheur et même dans des lieux de culte. Direction protection civile là, et centre d'observation de données maritimes, dis-nous que nous n'avons pas besoin d'alerte au tsunami. Nous avons continué à surveiller pour nous voir si le tremblement de terre n'a pas fait l'autre dégât, en particulier des répliques. Nous demandons à toute population pour ne pas paniquer et en éviter information qui par information qui est juste. Matin, nous animer, nous mobiliser. Ça a eu le CUN, le Centre d'opération d'urgence. Dans le CUN, son entité dans le gouvernement qui réunit l'ensemble des ministères, mais aussi ensemble partenaires que nous gagnons pour voir qui j'en a fait face à une catastrophe. De même, nous activer dans le département du Sud, des NIP et de la Grandance, CUDIO, c'est-à-dire le Centre d'opération d'urgence des départements. Tout gouvernement et structure protection civile mobilisés et nous demandons des populations redoubler d'efforts et de précautions, surtout si n'a bien réplique. Gouvernement décide matin décréter l'état d'urgence pour un mois suite à catastrophe ça. Nous invitons toute population à en solidarité, l'une avec l'autre, et nous recommençons pour dire encore, en éviter toute panique
face à tremblement de terre. Merci.